Oui, bonjour, Madame Fourré, c'est bien ça? Oui. Voilà, Madame, c'est la société Food Sex. Le D'accord. sexe en express, Madame. Voilà, on a quelqu'un de votre entourage, il a pas voulu donner son nom, qui vous a fait un cadeau dans notre boutique. Et donc voilà, je voulais savoir quand est-ce que vous seriez disponible pour que le beau jeune homme vienne chez vous. Je ne reçois personne, madame, et je n'ai pas de cadeau à avoir. Mais c'est un cadeau, madame. Je veux dire, enfin, vous pouvez pas refuser. Là, le jeune homme, il est prêt. Bon, en plus, il est assez beau gosse. Et la personne est quelqu'un de très très proche de vous. Et donc, à penser que ça vous ferait plaisir. Eh bien, écoutez, vous me l'envoyez, le cadeau, ou... Mais autrement, je n'ouvre personne. Non, mais le cadeau, c'est la personne. Donc, c'est un escort boy le cadeau qui vient chez vous vous faire du bien. Je ne connais pas, alors excusez-moi, mais j'ai affaire. Au revoir. Allô, oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour, c'est madame Fourré. Moi, qu'est-ce que c'est? Oui, voilà, c'est la société Food Sex, le sexe en express, madame. Voilà. Donc, on a quelqu'un de votre entourage qui est venu dans notre boutique et qui vous a fait un cadeau. Donc, en fait, le cadeau, faudrait qu'on vous le livre chez vous. Bah, en fait, il y a quelqu'un de votre entourage qui a voulu vous faire un cadeau assez particulier. Donc un beau jeune homme qui va venir chez vous. Donc là le livreur il est en route, hein. C'est un escort boy. Il va venir chez vous pour s'occuper de vous. Alors justement, on voudrait savoir parce que quelles sont vos préférences dans le domaine? Oh, moi, j'ai pas de préférence. Quand je veux quelque chose, je veux, hein. Non, je veux pas d'histoire comme ça. Moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là encore? Oh, non, allez. Bah le livreur il est en... Madame, le livreur est en route, hein. Oui, bonjour, Madame Fourré. C'est Monsieur Fouet. Ah, bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle, c'est la société Food Sex à l'appareil. Le sexe en express. Voilà, donc on a quelqu'un de votre entourage, donc qui a commandé pour votre femme, un escort boy. Et donc, on vous appelle parce qu'on voudrait savoir quelles sont les préférences de votre femme. Parce que le livreur est en route là. Parce que là, c'est une personne anonyme qui est venue dans notre boutique pour demander un escort boy pour Madame Fourré. D'accord, et pour quelle date? Bah là, pour la date d'aujourd'hui, là, le livreur il est en route. Alors il me demandait quelles sont les préférences de Madame Fourré. Et Bah, donc. je sais pas du tout, faut ignorer. Parce qu'ils savent, ils se demandaient est-ce qu'il prend le fouet ou pas? Est-ce qu'il Ah, prend. ça, faudrait lui demander. Donc là, le livreur est en route. Et là, normalement, il devrait arriver d'ici une demi-heure. Donc là, il m'a appelé, il était sur le trajet. Et il m'a appelé pour savoir bah, quelles étaient les préférences de Madame Fourré. Bah écoutez, on va bien voir, il a qu'à venir, il a qu'à venir, on est là tous les deux, donc il a qu'à venir. Mais donc par contre il est bi hein, donc si vous voulez faire des choses avec lui il y a aucun souci hein, vous pouvez faire. On dira à ma femme, ça me jette si je l'encule pendant que je suis, on verra bien. Hein, on verra ce que je fais avec lui. Hein, bah je l'attends, avec beaucoup de plaisir. D'accord. Parce que je sais que vous avez l'adresse et tout ça, j'imagine que vous avez tout, donc ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Merci monsieur, à bientôt. D'accord, merci, au revoir.